Goéliane. Je suis couturière de formation. J'ai deux enfants. Puis maintenant, je vis à Bujon avec mes enfants. Sinon, je n'étais pas ici. J'étais en Mauritanie. Bon, je suis partie. Ça remonte maintenant à près de 3 ans. Hein. Bon, je suis là-bas retrouver mon mari. Et puis, j'ai eu des difficultés là-bas. Après, il m'a laissé là. Il devait partir en Europe. Donc, il est passé par des pays pour partir. Donc, après, j'avais plus ses contacts et puis je me retrouvais seule avec les enfants, les dépenses de la maison et tout ça. Il est tombé malade là-bas. Et je me retrouvais maintenant toute seule avec toutes ces dépenses-là à ma charge. Ça m'a fait près de 4 mois. Quand je suis arrivée, ils ont une base ici, les gens de l'OIM que j'ai rencontrés en Mauritanie. Donc, quand je suis arrivée, d'abord, j'étais déjà un peu soulagée parce que quand je suis arrivée, je connais personne maintenant parce qu'on est parti, j'ai laissé toute ma famille pour partir. Je ne connaissais pas la réaction de mes parents et tout ça. Donc le fait de descendre à l'aéroport avec eux, ils m'ont donné un truc qu'ils appellent pocket money. Vraiment qu'ils m'ont donné ça pour moi et mes enfants. Ça m'a vraiment permis de pouvoir me prendre un peu en charge. Juste à ce que je puisse faire. En même temps que je fais la couture, je vends aussi des mèches. Je cherche aussi, par la grâce de Dieu, quelqu'un qui va venir presser. Et je pense que ça aussi, ça pourra me rapporter, puisque je suis dans un marché, comme mon magasin est situé dans un marché. Les mèches aussi, ça sort beaucoup ici, ça marche beaucoup ici. Donc, plus de la couture que je fais avec ma mini boutique que l'OIM m'a aidé à faire, je pense qu'avec ça, ça va encore plus m'aider. Je pense que d'ici 5 ans, 10 ans, on ne me reconnaîtra pas. Hein? Donc je pense qu'aujourd'hui, je me sens femme, je me sens autonome, je me sens responsable. Et je suis fière de moi par rapport à tout ce que j'entreprends aujourd'hui. J'arrive à faire vraiment, je suis vraiment fière de moi aujourd'hui. Et par moi, aujourd'hui, je peux aider aussi quelqu'un. Donc, en me regardant dans la glace, vraiment, je me sens fière. Et je suis vraiment fière de moi.